Comment vous allez? Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon. Vous allez bien, j'espère. Hein? Moi, je vais bien. Bon week-end à vous. Bonne fête de Saint-Jean. Saint-Jean, je dirais que c'est la fête du Québec. Vous voyez, le décor a changé. Je ne suis pas à Montréal, je suis à Québec. Ouais, quand on dit à Québec, ça veut dire que je suis dans la ville de Québec. Au Québec, je suis dans la province du Québec, qui est la seule, ça veut dire que la seule province francophone du Canada. Donc là, en ce moment, je suis, comme je vous ai dit, pour le long férié. Aujourd'hui, c'est férié au Canada. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est férié au Canada. Donc, on en profite, hein, j'ai voyagé un peu. Voilà, Yaba Rachel, vous allez bien? Ouais, 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 merci beaucoup, merci. Yes, beauty, ouais, c'est ça, hein, vous me voyez là, mon malin est trop deux jours là. Voilà, yes, beauty, toutes sortes de coiffures. Yes, beauty, quand vous les appelez, c'est un salon professionnel. Donc parfois, quand vous appelez, ils sont occupés. Laissez un message, laissez votre numéro de téléphone. On va vous rappeler absolument avec Yes Beauty. On retourne toujours les appels. Donc, pour vos coiffures quotidiennes, comme je disais, pour des cérémonies, pour des événements, pour tout, 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 Yes Beauty vous confectionne des perruques. Voyez-vous ce que j'ai sur la tête? C'est une perruque. Ils font la location, achat, ils vous placent les perruques, ils vous font le maquillage. En tout cas, les nouvelles qui me sont revenues, c'est que ça marche très bien avec Yes Beauty, mes impactés, des dames. Vous allez à Yes Beauty pour vous coiffer là-bas. Merci beaucoup. Merci de faire confiance à Yes Beauty au travers de Monique Z, l'impacteuse. Le 30 juin, le conteneur s'en vient. Je dis ça pour que déjà vous partagez. Je m'en pas à dire. Une femme qui vient sur les réseaux sociaux, bon, pour dire qu'elle a fait un enfant avec une star. J'ai quelque chose à dire à cette dame-là. Je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas si c'est... elle est. Est-ce que c'est une artiste? Elle est déjà artiste? Elle est connue? Moi, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais écouté sa musique, tout et tout. Mais si elle est passée sur un plateau de télé, sachez que les télés où vous passez là-bas, quand vous passez, c'est parce que vous voulez qu'on parle de vous. Ah oui! Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, tu... Ah, c'est ça, hein? Nous, on est là pour ça. Donc, j'ai vu cet après-midi une de ces vidéos où elle disait, oui, vous parlez parce que vous êtes monétisé, mais qu'est-ce que vous croyez? Ben, on parle, avant on parlait gratuitement. Ah oui, donc vous voulez qu'on parle toute notre vie gratuitement? Non, non, non. Vous savez bien que nous sommes monétisés, donc c'est à vous de rester dans votre coin. Parce que si vous envoyez sur la toile, on vient parler de ça. Bertine Payet, comment vas-tu ma personne? Merci beaucoup pour tout Bertine. Donc, le 30 juin, le conteneur s'en vient. Faites vos commandes. J'ai un peu de tout, des escargots, des crabes femelles, du poisson sol, du poisson broché, du poisson thon salé, de gava. J'ai toutes sortes de choses. Des escargots, le plat là, la graine pilée, les comment on appelle ça, les champignons bruns, champignons noirs. Écoutez, j'ai tout ce qu'il vous faut. La seule chose que je n'ai pas dans mon conteneur, c'est de la protéine animale. Je n'ai pas de viande dedans. À part ça, tout ce qui se mange à Bican, j'ai ça. Le gingembre, tout ça, j'ai ça. Le bissap, tout, tout, tout. 27 juin, Cargo Group. J'ai vu que vous m'appelez. Cargo Group, c'est quoi? C'est une compagnie d'export-export. Cargo Group, la représentante, c'est Huguette. Huguette qui s'occupe des pagnes, qui vend mes pagnes à Abidjan. C'est la même Huguette qui est la responsable de Cargo Group à Abidjan. Donc, si vous voulez ramener des produits du vivrier ici au Canada, Cargo Group s'occupe de ça. Vous n'avez qu'à appeler Huguette qui est sur ma page ici. Vous l'appelez et puis elle va vous donner toutes les informations que vous voulez savoir. Bon, on a vu une dame. Ouais, une jeune dame. Je ne sais pas quel âge, dans quelle tranche d'âge je vais la mettre. Peut-être entre 25 ans à elle n'a pas 30 ans, je ne sais pas. Bon, en tout cas, une dame de peut-être 20 ans passé, qui est venue sur une chaîne de télé, qui est venue exprimer quelque chose de très important. Ne pensez pas que c'est banal. Elle est venue sur la toile ici, dans cette émission-là. Je n'ai pas regardé l'émission. Ce n'est pas une émission à laquelle je suis abonnée.
Je ça dit que j'écoute seulement les coupons qui sont des buzz de cette émission. C'est pas une émission à laquelle je suis abonnée. Désolée, je peux pas prendre de mon temps pour dire je vais prendre une heure de temps ou bien 30 minutes que dure cette émission-là pour regarder. C'est pas par mépris, par manque de temps, par tout ce que j'ai pas le temps d'aller m'abonner à ces pages-là pour regarder ces émissions. Mais quand il y a un buzz, les coupons qui passent, là, nous, on regarde pour venir en parler. Et elle s'est plainte du fait que, oui, on parle de ça, tout et tout, pour chercher l'argent. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Vous emmenez vos problèmes sur la toile, nous, on va venir parler de ça pour avoir notre argent. Claire? C'est ça qui est là. Parce que les bons sujets n'intéressent pas les Africains. C'est les sujets où on va venir taper dessus. Les sujets à buzz, les sujets tant, 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 c'est ce qui attire. Donc, c'est dedans qu'on s'en va. Le jour qu'un gros sujet important vient sur la toile, on va s'occuper de ça. Elle est venue dire que... La Mimaï, c'est la dame d'Atiéké là. Excuse-moi. Abby. Anyway. Ok. Excusez-moi, tu as déjà son Atiéké, non? Oui. Non, c'est pas son Atiéké, c'est pas la dame d'Atiéké, c'est pas... Ok, tu as ses affaires. Ok, c'est beau. Donc, comme je disais, elle est venue, elle a exprimé quelque chose sur les réseaux sociaux. Comme quoi, elle a un enfant avec Digué. Elle a eu un enfant avec Digué Arafat. Et que cet enfant-là, je crois qu'il a 5 ans ou bien elle a eu cet enfant il y a 5 ans. Bref, quand on évalue l'âge de l'enfant, c'est un enfant qui a plus de 4 ans et demi. Donc, cette dame est venue sur un plateau de télé pour s'exprimer. Bon, c'était difficile dans cette émission-là parce que, bon, elle n'arrivait pas à aller au bout de ses idées. Et tout parce que chaque fois elle était obligée de dire non, mais laisse-moi terminer, laisse-moi parler. Oui, mais à un moment donné, quand tu es en train de parler et puis on ne te suit pas, l'animateur ou bien le journaliste, whatever, c'est son rôle de te recadrer. Pas à un moment donné, on voyait que bon, tu nous faisais voyager, on va à Daloa, on revient ici à Montréal jusqu'à ce qu'on retourne à Zoubé dans mon village. C'était un peu compliqué, mais Dieu merci, on essayait chaque fois de te ramener, c'est-à-dire dans le sujet, parce que comme je disais, c'était un peu décousu. Mais moi, je ne suis pas de la catégorie des femmes tout de suite qui vont venir remettre en cause le témoignage d'une femme. C'est comme une femme vient sur un plateau de télé pour dire que j'ai subi tel événement à telle année, en telle année, avec tel monsieur. Tout de suite, en tant que femme, ce n'est pas mon rôle de venir dire que cette femme-là, elle est en train de mentir. Oui, c'est vrai, le témoignage était décousu. On avait de la misère à te suivre. Il n'y avait pas de cohérence. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de cohérence dans son, ça dit, dans son récit. Oui, on a parlé de, comment on appelle ça, en Grèce, Cité des Arts, ou bien d'une gendarmerie. Tout ça, je me dis que bon, peut-être qu'elle subissait la pression sur un plateau et puis elle s'est perdue. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Parce que je me dis quoi? Tu as venu mentir comme ça à la face du peuple? Non, ça dit, je t'accorde ton crédit. En tant qu'une femme, moi, je t'accorde ton crédit. Parce que les stars qui sont là, les stars font beaucoup d'enfants. Jusqu'aujourd'hui, une star comme, comment on appelle, je prends une star américaine noire comme James Brown. Jusqu'aujourd'hui, ses enfants sortent de terre encore. On va aller voir, même quand le feu papa national, il est décédé là, des femmes encore venaient pour dire, j'attends, ça dit que j'ai eu un enfant de lui. Tout et tout. Moi, ça dit, je ne remets pas ton témoignage, ça dit, en doute. Je ne le remets pas en doute. Je le prends et puis je le dépose là sans le juger. Mais là où j'ai un problème avec toi, mademoiselle Lova, oui c'est ça, elle s'appelle Lova quelque chose. Là où j'ai un problème, tu prétends avoir eu cet enfant avec le monsieur. Ce que je sais, très souvent quand des femmes ont un enfant avec un homme qui décède, elles font l'effort au moins de mettre ça dans l'oreille d'un membre de la famille ou bien d'un de ses amis proches. Bon, toi tu dis que tu as fait l'enfant avec lui. D'accord, il voulait te cacher. Bon, c'est aujourd'hui j'entends, il m'aimait donc il ne voulait pas m'exposer. Tu es sérieuse là? Il t'aimait donc il ne voulait pas t'exposer. Mais il ne voulait pas t'exposer face à qui? Il te cachait face à qui? Donc toi, une jolie femme comme ça là, toi tu sortais avec lui et puis tu te sentais à ton aise dans une relation où on ne voulait pas t'exposer pour X raisons. Écoute-moi bien, hein. Je dis, le fait que tu sois venu sur ce plateau pour dire que tu as eu un enfant avec lui, moi, je ne remets pas ça en cause. Parce que si dans cette vidéo-là, je viens dire qu'elle est en train de mentir,
Elle n'a pas fait un enfant avec Didier Arafat. Et puis demain, on fait un test d'ADN. Et puis on dit effectivement, tu as eu un enfant avec lui. Ce n'est pas la honte qui va tomber sur nous. C'est la honte qui va tomber sur nous. Vous comprenez? Donc, quand tu es venu sur le plateau et puis tu as dit, tu as eu un enfant avec lui, tout et tout. Mais toutes ces années, en 5 ans passés, j'ai dit, on peut reprocher tout à Tina Glamour qui est Abidjan. Mais l'affaire de ses petits-enfants, nous tous, on sait qu'elle est attachée à ses petits-enfants. Tu as fait l'enfant, lui, il l'a caché. D'après toi, il te cachait. Il ne voulait pas que tu aies de contact avec l'extérieur. Parce que, je ne sais pas, toi, tu étais... Ça dit, attends. Il ne voulait pas que tu aies le contact. Il voulait te protéger par rapport au showbiz. Mais ce que tu es en train de dire, ce n'est pas bénin. Ce n'est pas anodin. Il y a des stars qui font ça. Ils sortent avec des filles et puis ils disent aux filles, non, je ne veux pas t'exposer. Ma chérie, quand il dit, je ne veux pas t'exposer là, c'est parce qu'il y a une là-bas qui est la titulaire. Il y a une qui est l'amour de son cœur. Il y a une là, un matin, tu vas attendre, boum, elle va apparaître sur les réseaux sociaux. Il y a une là, avec laquelle il a déjà tissé des liens, avec laquelle il est déjà avancé. C'est pour ça que toi, on te dit, non, on t'aime. Si tu veux, c'est un argument fallacieux. C'est-à-dire, c'est un argument qui n'a pas de sens. Mais ce n'est même pas des stars aussi. Dites-vous que quand vous êtes des hommes et puis il dit qu'il t'aime trop, donc il ne veut pas t'exposer, c'est du n'importe quoi, c'est de la bullshit. Sur ce coup-là, je ne sais pas si c'est toi qui as inventé ou bien si on t'a vraiment dit ça. Si on t'a dit ça et puis toi tu as accepté qu'il t'est assis sur cette position-là, bon, c'est vous les femmes moutons dont on parle là. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Voilà, dis-toi que quand on veut te garder dans l'ombre là, c'est parce qu'il y a une qui est déjà bien positionnée. Il y a une qu'on aime. C'est plutôt celle qui est là-bas là. C'est elle, on ne veut pas qu'elle sache ton existence. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes avec un homme et puis l'homme dit qu'il il veut te protéger, c'est celle qui est là-bas là. Il ne veut pas qu'elle sache que toi tu existes. Voilà, c'est ça qui est ça. Tu comprends? Donc, ça dit que cet enfant n'ait pas été au grand jour jusqu'à ce que le monsieur soit décédé. D'accord, mais tout ce temps qu'il est décédé, jusqu'aujourd'hui, mais Tina Abidjan, pas personne interposé, dans la période des funérailles, après les funérailles, tout et tout, tu pouvais rentrer, c'est-à-dire en contact avec quelqu'un, mais je crois qu'il a son meilleur ami, comment il s'appelle, Olo Pacha, tu pouvais aller voir Olo Pacha ou bien par personne interposée ou bien je ne sais pas qui d'autre, quoi là, il a ses amis pour leur dire, ah, c'est vrai, on a fait les funérailles, sa mort a été brusque. Moi, il ne m'attendait pas à ce qu'il allait mourir, mais votre ami, je sortais avec lui. Je sortais avec lui. Bon, je crois qu'elle a même dit qu'il a doté. Maman, on t'a doté, mais est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Que le gars a fait une dot pour elle. Maman, on t'a doté, il n'y a pas photo de dot là. Hein? Ou bien toi, ta dot là, vous avez fait ça en catimini, vous avez fait ça en clando là-bas. Soit. Tout ça, je t'accorde. Patel le dirait. Tout ce que je suis en train de dire là, ça ne remet pas en cause le fait que tu sois venu sur le plateau pour dire que tu as un enfant de lui. Je ne remets pas ça en cause. Mais je vais te dire que tu as un enfant de lui. La télévision était la dernière place par laquelle tu devais commencer. Tu as un enfant de Didier Arafat. Tu devais commencer par, ça dit que approcher ses parents, approcher ses amis, approcher ses proches pour leur dire la Mireille Béké, on dit il y a trop de bruit, tu comprends, tu devais approcher ses amis, ça dit au moins un de ses proches pour leur dire tu peux venir sur la chose, comment on appelle ça, que la fille ment, ok, d'accord. Tu mens, tu es... Okay, en tout cas, anyway, tu laisses Tina là-bas, tu laisses les proches, tu laisses oncle Zopo, tu comprends? L'oncle chéri, oui, pas il dit, Arafat était son neveu chéri. Tu laisses oncle Zopo, le pasteur Choco, tu laisses le pasteur Choco là-bas, et puis tu viens sur la toile, tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens sur une chaîne de télé pour venir dire que non, ça dit que tu portes leur enfant. Comment tu veux qu'eux, ils se sentent? Tu comprends? Est-ce que Tina a refusé un quelconque enfant? Ouais, là, si quelqu'un vient, ça dit même discrètement, tu peux toucher même des personnes là-bas pour leur dire, ah, ça fait 5 ans, j'ai fait un enfant
avec Arafat. Comme c'est une star, comme c'est tant, je veux pas que l'enfant reste sans son père, tout et tout. Que l'enfant demande après son papa, mais l'enfant demande après son papa. Sa grand-mère n'est pas à Abidjan. Tina est là-bas. Donc tu laisses Tina là-bas et puis tu viens sur les réseaux sociaux pour venir dire oh, c'est, il m'a enceinté, tant, tant, tant. Quand je lui ai dit, il a baissé la tête, tout et tout. Donc comment tu veux que des gens te prennent au sérieux? Tu comprends? Même si ton récit est vrai, même si tu as vraiment fait un enfant avec lui, comme tu le dis. Parce que si tu es une femme sérieuse, sérieuse là, c'est quand elle dit sérieuse dans ta démarche, mais tu venais, ça dit tu venais sur ce plateau là, avec un test ADN, tu dis moi j'ai fait un enfant avec ce monsieur. Voilà, voilà, ça dit quand toi tu venais sur les réseaux sociaux, par test ADN tu nous prouvais que par A plus B que le monsieur appartient, ça dit que l'enfant appartient à Didier Arafat. Tu comprends? Parce que ces gens d'actes là, ce que vous faites c'est pas bien. C'est vrai ou ouais. C'est faux, hein? Aujourd'hui on ne sait pas, mais tu t'y es prise de la mauvaise façon. C'est pour ça que je demande, est-ce que tu es une artiste? Tu es vraiment une artiste? Vous êtes là mes impactés, je ne vous vois pas. On ne comprend pas, je ne vous vois pas. Je vais mettre mes lunettes. Maintenant si c'est vrai, tu as fait sortir une cassette. En tout cas, c'est un buzz qui est bête. Tu crois que quoi? Tu penses que c'est ça que tu as fait, puis on allait écouter ta cassette. On peut écouter ta cassette. Tu comprends? Parce que tu es en train de faire des femmes vraiment qui sont passées par là. La honte va faire que demain, elles n'auront même pas le courage. Tu comprends? Bon, tu es une artiste. C'est pourquoi on a écouté ta musique, que tu as fait ça, tout et tout. Tu comprends? J'ai quand même aimé les questions des animateurs, ils t'ont posé quand même des questions quand même précises. On te pose une question, tu laisses la question, tu fais voyager les gens, ou bien tu n'es pas seul dans ta tête. Moi, je ne comprends pas. Tu n'es pas seul dans ta tête. Tu as quand même un enfant. C'est ça. Oui, il s'agit quand même de la paternité d'un enfant, je suis d'accord. Mais la paternité d'un enfant, oh, Chanetti, c'est sur les réseaux sociaux, tu vas venir t'asseoir alors que la grand-mère de l'enfant est là-bas. Alors que tous ceux qui sont cités sont là-bas pour pouvoir t'aider. C'est ça. C'est clair. Donc, c'est ça, je veux savoir. Je ne comprends pas comment tu peux venir. Mais tu es en train de faire ça là. Peut-être que dans le fond là. Oh, Mayo, comment vas-tu là, Maïmaï? Tu vas bien? C'est clair. Donc tu viens là. On te pose des questions pertinentes. C'est ça. On te pose des questions pertinentes. Tu crois que la paternité d'un enfant, c'est de la blague? C'est pas de la blague. On te pose des vraies questions. Hein? Tu laisses les questions. Tant, tu vois, je vous parle de Didier. Je vous parle pas de Arafat. Mais qui est Didier? Didier, c'est le même Arafat. Arafat, c'est son nom de choses seulement. Donc, quand tu... Franchement, excuse-moi, comme je te dis. Parce que c'est toi qui étais dans la maison avec le monsieur. Tu l'as connu pour de vrai. Oh. Tu ne l'as pas connu pour de vrai. Oh. Moi, on ne sait pas. Mais ce que je suis en train de dire, je ne peux pas venir dire que c'est faux, que tu n'as pas fait l'enfant d'Arafat. Ça, je ne peux pas. Et puis, d'ailleurs, aucune femme ne doit venir dire que sur ce fait-là, l'enfant n'est pas d'Arafat. Tu comprends? Il n'y a aucune femme qui a venu ça. Parce que si on vient dire ça et puis demain, on constate que c'était vraiment l'enfant d'Arafat, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez là-bas dans votre tête. Vous vous levez, vous venez, ça dit, qu'est-ce que tu étais venu faire comme ça? Tu viens faire ça demain. Et ton enfant, tu as pensé à ton enfant alors que discrètement, tu pouvais aller contacter des gens. J'insiste là-dessus parce que c'était la bonne méthode qui est là. Tu comprends? Les stars laissent des enfants partout. Partout. Il a dit, les stars, là, ils font beaucoup d'enfants. Ah, le père Mewé même qui a dit que lui, il en a beaucoup. Tu comprends? Maintenant, si le monsieur n'existe pas, mais tous ses parents vivent. Ses parents sont là. Voilà, tout le monde dit que tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Oh. Tu n'es pas une menteuse. Oh. Moi, je ne sais pas. Tu comprends? C'est ça. Il a reconnu l'enfant ou bien tu étais enceinte quand il est décédé.
Je comprends pas. Ça dit, tu n'étais même pas concise dans tes réponses. Ça fait que les questions même qu'on devait te poser là, ça dit comme on dit, tu as laissé même les animateurs sur leur fin, même les spectateurs qui te regardent. La petite partie que, ou chose là, ça dit que où on a fait passer sur les pages, tout de suite on voit que ton récit était un peu ambigu. Je ne vais pas trop te juger par elle, je ne sais pas. Souvent vous êtes comme ça là, dans la tête, souvent peut-être ça ne va pas bien, on ne sait pas. Je ne vais pas te juger, tu comprends? Par elle, on ne sait pas. Par elle, une femme qui a toute sa tête, une femme qui est toute complète dans la tête là, voilà, maquillage là même, on a fait fin. C'est pour ça que j'ai demandé, tu es artiste. Par elle, le maquillage que tu as mis aujourd'hui pour faire direct, s'il t'a eu ici là, tu fais quel travail? Hein? Double mon nom, Mani? Quel travail tu fais là-bas? Ou bien tu es dans le show business? Seule la mère connaît l'enfant de son enfant, le père de son enfant. On s'en va aussi, on taille aussi les cils là ici. Hein? Mais c'est ça, tu énervais les femmes. Alors que ce que tu t'es venu dire, c'était important. Tu énervais les femmes. Le journaliste, on allait te poser la question, mais pourquoi c'est maintenant que tu viens maintenant sur la toile pour parler de ça? Tu pouvais répondre, oui, c'est maintenant parce que sachez que ce n'est pas quelque chose de facile. Oui, c'est vrai, j'ai fait un enfant, il a reconnu l'enfant, mais je vivais ça difficilement. Toutes ces années, je vivais ça, c'était difficile pour moi. Je ne savais pas quel bout attraper pour venir annoncer ça, tout et tout. L'animateur allait te demander, mais pourquoi tu n'es pas passé par la grand-mère de l'enfant, tout et tout. Voici des questions pertinente qu'on allait te poser si tu étais concise dans tes réponses. Mais tu faisais voyager les gens, c'est pour ça qu'ils demandent, est-ce que, bon, nous on vient parler dans ton affaire, est-ce que Naou Poulebe a dit là-dessus, est-ce que dans la tête ça va vraiment? Par exemple, maquillage, j'ai vu là. Hein? Maquillage, on s'en a taillé les cils. Il a dit, c'est la première fois que je vois cils comme ça. Tu avais parlé d'un sujet aussi sérieux. Le sujet est trop sérieux. Ou bien tu n'as pas d'enfant et puis tu es venu créer comme ça. Par exemple, vous êtes capable de tout là-bas. Pour le buzz, les gens sont capables de tout aujourd'hui. Arrêtez un peu. Tu comprends? Si on finit de faire, ton buzz est passé. Que vraiment, c'est l'enfant de Didier Arafat que tu as. Ben, va discrètement chez Tina. Tu lui dis, oui, la mère, je suis passé par le truc, comment on appelle ça? Par les réseaux sociaux. Hein? A fait des styles discontinus. Moi, je n'ai jamais vu ça, hein? C'est la première fois qu'elle voit ça. C'est ça que j'ai demandé, mais elle est artiste. Non, Tina ne va pas lui arracher la tête. Si c'est vraiment l'enfant, peut-être que l'enfant même ressemble à son père là-bas. C'est ça aussi. Tina ne va pas lui arracher la tête. Elle aime ses petits-enfants. On va y aller à ça. Là, là, là. Oh, mais ça, elle s'en va. Elle taille ici. Ah, mon nia. Il est ma paix. Va voir la grand-mère au moins. Hein? Tu peux t'imaginer la stupéfaction de Tina, comment elle s'est sentie de savoir qu'il y a une femme qui est sur un plateau là-bas. Ah, elle n'a pas séché avant de prendre. Hein, je sais qu'elle n'a pas séché. Oui, mais c'est vrai. La humaine, on vous entendait beaucoup dans ma vidéo. Hein? Oui, là là. C'est ça. Ah, Patty Christelle, c'est une artiste. Ah, excuse-moi. Ma chérie, on dit tu es artiste. C'est ça, il a demandé depuis longtemps. Quelqu'un ne m'avait pas répondu. Oh, ok, tu es artiste. C'est pour ça que tu as fait le Yiriwane ici. Là, hein? Chez nous, on appelle ça Yiriwane. Taïe ici. Là, pour faire... D'accord, je ne te juge pas. Oh. Mais c'est que ça m'a paru bizarre. Tu es artiste là. Quelle chanson tu as fait sortir un album. C'est pour ça que tu es venu. Non. Un enfant, c'est quelque chose de très important. Tu comprends? Tu comprends? Cet enfant-là, si tu venais... Mais oui, parce que le père, il a un patrimoine. C'est ce que vous oubliez. Le père, là, il a un patrimoine. Donc, si l'enfant portait le nom de son père, tout et tout, ah, l'album sort bientôt. Ma chère Edith Yvonne, je ne sais pas ce qu'elle chante. C'est maintenant même en train de me dire qu'elle est artiste. Ah, d'accord. Non, 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 Patty Christelle, allez sur sa page. Pardon, il ne peut pas aller là-bas. Il n'a pas temps pour ça. Allez sur page là. Vous savez quoi là-bas? Ça, ce n'est pas le genre de musique que j'écoute, donc je ne vais pas là-bas. Mais le seul conseil que je lui donne, est s'il est prise de la mauvaise façon. De la très mauvaise façon. Il louait une maison pour toi.
Bon, on t'a demandé où il louait maison. Tu t'es trompé, oui. Tu vois, hein, jusqu'à présent, moi, je dis tu t'es trompé. Bon, engrais. Ah, elle chante super bien. Ok. Ah, d'accord. Angela Lova. Oui, c'est ça. C'est son nom, Lova, que j'ai retenu. Vous comprenez? Considérez que elle s'y est prise de la mauvaise façon, selon moi. Ah, elle fait la promotion de son album. Mais tu vas faire la... Mais on est en train de parler, mais est-ce que l'enfant existe vraiment? Hein? Ça là, tu vas voir demain là, ses amis vont sortir. Bon, il a un ami seulement que moi je connais, Olo Pacha. Olo Pacha va sortir tout de suite pour dire que il n'est même pas au courant que j'avais un enfant avec lui. Tu vois, non? Alors que les hommes ne se cachent rien sur ce côté-là. C'est ça, hein? Il va dire Joe. Actuellement, il va finir par dire ça à un de ses amis. Et puis bon, tel qu'on connaissait l'artiste, bon, souvent, l'image qu'il présentait, c'est pas un artiste qui a avoir, oh, tout bien, tu as caché d'autres enfants. En tout cas, l'artiste qu'on voyait, c'est pas quelqu'un qui était de ce style-là. Tu comprends? Mais dites-vous, les femmes, si vous êtes dans ce genre de cas-là, chez nous, moi, dans ma tradition, un homme qui a enceinté une femme dehors, et puis ses autres, sa femme n'est pas au courant. Au funérail, envoyer l'enfant au funérail. Moi, dans ma tradition, c'est comme ça. Ah, elle chante très bien. Ah, ok, d'accord. Donc, je fais tout alors. Oh, ben tout le monde en train de dire qu'elle chante super bien. Oui. La fin. Ah, qui avait un direct? Voilà ça. Mais quel intérêt? Ou bien, c'est, en tout cas, tu ne veux pas prendre. Tu ne veux pas aussi venir pour le buzz, on va venir mentir sur quelqu'un qui est décédé. Pour le buzz, on va venir mentir sur quelqu'un qui est décédé. En tout cas, anyway, moi, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, en tant qu'une femme. Elle dit Angré, cité des arts. Ah, peut-être elle était stressée sur le plateau de télé. Dieu de gloire. Comment va? Moi, je me dis ça. Ah, Olo Pacha dit que c'est faux. Oh, même Ali le code. Ok, ça sont ses amis proches. C'est tout de même étrange. C'est quand même étrange que ses propres amis ne sachent pas ça. Même si eux, ils n'étaient pas au courant. Lee Thomas, comment va? Welcome. Même si eux, ils n'étaient pas au courant, ils sont venus. Ça dit que ça dit l'enfant est né après tout et tout. Tu attendais même après un an. C'est important, des femmes. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est important que vous veniez. Quand vous avez appris que le monsieur est décédé, venez avec l'enfant au funérailles. Venez présenter l'enfant. Ah, moi, j'étais dans l'ombre. Moi, j'étais avec lui dans le noir là-bas. Mais voilà l'enfant qui est là. Et très souvent, ces enfants qu'on dit de cacher, ces enfants qu'on fait dans le noir là, très souvent, c'est le portrait craché. Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Les enfants qu'on cache là, ce sont les enfants. Vous allez remarquer que 80% des enfants qu'on fait dehors, c'est le portrait craché du monsieur. À tel point que toi, la femme, tu as dit non, moi, mon mari ne peut pas l'enseigner. Mais quand l'enfant sort ses photocopies, c'est pour ça que enfants qu'on fait dehors, on ne discute pas trop là-dessus. Donc, ma chérie, pour toi que tu as fait dehors là, il ressemble à son papa ou bien toi, il a pris ta beauté là. Buzz arrangé ou pas buzz arrangé, mon cher ami, nous on monétise nos pages. Faites vos buzz arrangés. Moi, comme je dis là, tous les petits sujets qui viennent, il y a des petits sujets où on peut aller tirer la morale dedans ou bien être tentant. Elle cherche la visibilité. Et pour moi, on fait quoi ça? Moi, j'ai fini de faire ma vidéo, la publicité passe dessus. Donc, où est mon affaire? J'ai vu qu'elle se plaint, pourquoi on parle de ça, ma maman a parlé de ça, tu es passé sur une chaîne polémique là-bas, non? Donc forcément, on parlait de ça, vous comprenez? Donc, si vraiment tu as juste fait ça pour du buzz, c'est pas bon parce qu'il y a vraiment un enfant. On n'a pas vu le visage de l'enfant, mais on vient parler de ça quand même parce que tu es quand même passé. Même qui est enceinte, c'est pas Arafat qui avait enceinté une femme à Paris et puis on dit elle était enceinte de combien de jumeaux, hein? 3 ou 4 jumeaux, et puis ça a fait le boom. Après, la dame a fait une fausse couche. C'est pas un gars qui cache ses enfants.
Les stars africaines même ne cachent pas leurs enfants. Vous comprenez? Bon, on va se concentrer sur elle pour la journée. Aujourd'hui, c'est fini. Et c'est demain, moi, je vais parler d'elle. On parle de ça une fois. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est ça. Le lundi matin, Myriam Kouassi, comment va? Akisi, c'est toi ou bien c'est pas toi? Le lundi matin, j'ai un sujet très important. Les affaires de Dots. Les Africains, moi je suis là pour vous parler. Hein. Les affaires de Dots. Vous faites en Afrique avec les femmes là-bas. Je vais me consacrer sur deux communautés. Hein, on m'a donné deux grands témoignages là. Je ne suis pas prête à ça. Les Camerounais avec les Congolais. Vous comprenez, hein? Affaire de Dots. Vous faites en Afrique. Là-bas, c'est en Afrique. Mais nos garçons ici au Canada qui viennent marier vos filles. Ah oui, hein? Nos garçons qui viennent marier vos filles et puis vous demandez d'autres 20 000 dollars. Vous demandez d'autres 10 000 dollars comme s'ils ont pissé dans vos têtes là. Il y a un message pour vous. Hein? Les pères congolais ici au Canada, on m'a donné un témoin authentique. Une famille, ouais, la famille à Sherbrooke, ils m'ont envoyé le témoignage. Leur garçon veut aller marier votre fille congolaise. Vous demandez d'autres, combien? 20 000 dollars, vous demandez ça ici au Canada. J'ai dit, mais attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Je demande, mais attends, je suis elle dit l'impacteuse, c'est notre histoire qu'on te raconte. Notre garçon s'en va marier, il s'en demande la main de leur fille qui est infirmière. Notre garçon aussi, il a son travail. Voilà liste qu'on envoie. Quand le père demande 20 000 dollars de dot ici au Canada, vous êtes malade. 20 000 dollars, ça fait mise de fonds pour l'hypothèque. 20 000 dollars, ça fait payer terrain à Abidjan. On va doter vos enfants ici au Canada à 20 000 dollars. Le nien de vos enfants là, il y a hors dessus. Lundi matin, va sortir ce direct. Mais vous êtes malade, les Congolais ici au Canada. Vous êtes malade. Je vais pomper la communauté africaine. Je vais pomper les Africains ici. Si vos garçons, ça va prendre les filles congolaises, dites à vos garçons que vous n'êtes pas dedans. Dites à vos garçons, vous n'êtes pas dedans. Hein? Moi, j'ai fait immigration. Je suis rentré à mes enfants au Canada. Mon enfant, en fait, il a évolué. Parce que mon garçon a vu ta fille. Toi, tu dis, on n'a qu'à doter ta fille à 10 000 dollars. Tu dis, on n'a qu'à doter ta fille à 15 000 dollars. Les pères congolais, ils ont pissé dans vos têtes le lundi matin. Actuellement, là, je suis trop à l'aise. J'ai fait pour le moment, là. On attend lundi. Lundi matin, ça va être dosé. Ça va être dosé. Il y a vous de votre part. Tu es une Ivoirienne. Tu es un Malien. Tu es quoi? Tu es un Rwandais. Tu es un quoi? Ton garçon voit une fille congolaise. Il vient avec elle. Tu dis, pardon, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Les Congolais là, les filles congolaises là, leurs frères congolais n'ont qu'à les marier. Ils n'ont qu'à les marier, ils vont les doter à 30 000 dollars. Tu es un Ivoirien, ta fille, ça dit que ton garçon vient avec une fille congolaise. Tu lui dis, la fille que tu es partie chercher là, je n'ai pas l'argent de dot 50 000 dollars. Je n'ai pas l'argent de dot 30 000 dollars. Vous êtes malade, ils ont chié dans vos têtes, vous les Congolais ici au Canada. Il dit, j'ai ma part à vous dire. À lundi, ciao.